Fidèle ami de la virgule judiciaire, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la compétence du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle est compétent pour recevoir le serment du président de la République, donner son avis au président de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68 de la Constitution du Bénin. L'article 142 du nouveau code électoral stipule que la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte la proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 5 jours de la décision. Fin de ce numéro. Merci de votre aimable attention.